Et bonjour à tous mes chers abonnés, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est très spécial vu que je ne vais pas vraiment parler dans les vidéos, mais oui, juste vous annoncer des horaires que j'ai prévus. Malheureusement comme personne n'a quasiment répondu sur les projets, je vais devoir tout simplement annoncer mes projets tout seul et tout. Bref, j'ai préparé des vidéos très spéciales. J'espère que vous allez les aimer, telles que The Weeknd Whip en français. Je sais que c'est pas la meilleure version, j'ai fait de mon mieux, c'est quand même beaucoup de travail. Elle sortira d'ici le 20 février, sinon c'est les festivités aussi. Bon alors, pour ceux qui se demandaient pourquoi j'ai pas dit que j'allais mettre The Weeknd Whip en français, c'est tout simplement parce que ça ne sortira pas, disons, avant que j'arrête de muer. Oui, parce qu'en ce moment, c'est très difficile de chanter quand on mue. Donc là, malheureusement, j'ai testé, ça donnait quasiment rien, ça donne une mauvaise nuance, bref, deux fois. J'espère que ça vous aura pas trop déçu. Ça veut pas dire que je vais arrêter le projet, bien au contraire, j'espère un jour pouvoir le jouer. Mais je suis pas encore trop sûr quand est-ce que ça sortira. Je n'ai pas eu de bref idée. Alors voilà. Vous avez les raisons pourquoi je l'ai pas mis. C'est tout simplement parce que ça ne sortira pas. Pas avant que j'ai arrêté de muer. Que j'ai au moins 14 ou 15 ans. Ça se peut que ça sorte plus tard en 2021 ou que ça sorte en 2022. Mais je vous promets une date. Hein. Dès que je le sais, je vous le dis, c'est direct. D'ailleurs, ce sera pas si compliqué que ça. Vu que j'aurai quand même probablement du temps libre, mais je verrai aussi si je pourrais pas le célébrer pour une autre date et tout. C'est sûr que malheureusement, c'est un peu décevant de savoir ça, puisque c'était censé célébrer la première fois où Ninjago est sorti en français. Mais j'organise une grande journée comme ça, justement. Alors ne manquez pas cette journée, le 20 février. Et sur ce, c'était le votre plus grand fan de Ninjago. Au revoir tout le monde !